Chère Catherine, on s'est pas vu depuis un an. Je sais qu'on avait dit que c'était la meilleure chose à faire, mais... faut que je me rende à l'évidence. J'arrive pas à t'oublier. J'aimerais ça que tu lises cette lettre jusqu'au bout. J'ai quelque chose de très important à te demander. Mais avant tout, je veux m'excuser. De dire des mots à pierre fendre, à fondre la banquise des yeux. J'aimerais t'entendre la perche d'un grand sourire radieux, prendre le temps de dire « je t'aime », arrêter les courses et les jeux. Dans le silence... Je veux m'excuser, Catherine, pour tout ce que j'ai fait. On désire toujours ce qu'on n'a pas en oubliant d'apprécier ce qu'on a. Je veux que tu saches que c'était pas important avec les autres filles. Mais ça nous a perdus. Moi, le premier. Je me détachais tranquillement. Je tuais notre amour à petit feu. Je m'en rends compte aujourd'hui. Je t'ai cherché partout. À ton ancienne adresse. Les places où on allait ensemble. Nos amis. Personne voulait me dire où t'étais. Je suis devenu fou. Ça m'a pris du temps à te retrouver pour t'envoyer cette lettre. J'ai réussi en allant voir ton prof de chant. Elle m'a donné ton adresse. Merci. Merci.
C'est là que j'ai décidé de te faire modeler. J'ai trouvé une compagnie qui fabrique des clones. C'est très sérieux. J'ai vendu tout ce que j'avais. À partir de l'ADN de tes cheveux, de nos photos, des vidéos, ils ont fabriqué une réplique de toi. Tes yeux, sourire radieux, Dieu, silence. La nouvelle Catherine te ressemble tellement, mais il manque quelque chose. Alors, j'ai besoin d'un échantillon de cellules mémorielles de ton cerveau. Ça va me permettre de greffer ta personnalité dans la nouvelle Catherine. Et je te jure que cette fois-ci, je vais être fidèle. Allô? Je ferai pas la même erreur deux fois. Aide-moi à me racheter. J'attends tes nouvelles pour le rendez-vous à la clinique. Attends. Faut que je vais tout t'expliquer. Porte-toi bien. Max.